Eh bien salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, dans cette vidéo on va parler justement de défis et défis adoubés. Vous allez pour ça devoir capter des joueurs dans cette vidéo les gars. Et grâce à ces joueurs captés, vous allez avancer dans votre quête. Il y a plusieurs étapes et pour ça il faudra le faucon les gars, le faucon pour capter. Alors ça ne marche pas justement avec les défis pour capter, ce qui est très bizarre puisque justement on est censé pouvoir capter les adversaires avec nos renforts, mais ça fonctionne pas. Donc là il faudra le faucon et vous allez tout simplement l'utiliser et spammer votre touche pour tirer. Moi c'est ma touche pour tirer, pour capter les adversaires. Et une fois que vous faites ça, eh bien ça les capte de partout. Tous ceux qui sont en dessous de vous dans la zone aux alentours, ça les capte et ça valide votre défi. Vous le voyez s'afficher en haut à gauche de l'écran, c'est en train de se valider, toutes les étapes se valident. J'ai fait en une foire d'empoigne assez de captage pour faire toutes les étapes et il en faudra 50 au total, donc très rapide. Et vous voyez, ça fait une petite sphère de captage autour de nous, autour de ce petit faucon, et ça capte tous les joueurs, donc adversaires qui sont à côté. Vous continuez à faire ça en foire d'empoigne, vous ne perdez pas le faucon si par exemple vous mourrez de zone ou que quelqu'un vous tue, donc vous pouvez faire ça en boucle très rapidement sans trop avoir de soucis, et en plus de ça bah, vous amusez avec le faucon parce que c'est super fun. Donc dites moi si vous avez réussi et si vous avez des questions les gars. N'oubliez pas bien sûr, si vous pouvez, de mettre un petit pouce en l'air, le petit code créateur Telmo-Lopez. Je vous remercie à tous d'avoir été là. N'oubliez pas de rester zen et utilisez bien ce petit faucon parce que ça vaut vraiment le coup. Merci à vous et ciao.